Salut poto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, une strat sur The Giant super sympa si vous voulez faire énormément de manches. Et je vous propose ce petit pack de bonbons qui vous permettra d'améliorer directement dans la caisse. Acrosatout n'est pas obligatoire, mais ce qui est vraiment obligatoire, c'est antithèse, cachotterie, c'est un petit plus. Comme ça vous permettra toujours d'avoir des munitions. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, de vous abonner, la petite cloche, la totale, envoyer du lourd. Et sur ce, nous partons sur la vidéo. Let's go. Une fois arrivé sur la map, hein, vous connaissez le bail, hein. On va faire le maximum de points pour faire le maximum de kills et faire le maximum de manches et faire le maximum. Non, je plaisante les gars, on va ouvrir les portes. Alors je vais me diriger directement sur la droite du spawn. Pourquoi? Pour faire le grand tour et une porte à ne pas ouvrir. Je vous montrerai plus facilement. Là, je prends mon petit Akrozatu qui fait super plaisir. Allez, on va commencer à ouvrir toutes les portes jusqu'à activer le courant. Dès qu'on a activé le courant, ce qu'on va faire, c'est récupérer un bonbon qui va nous servir, donc pouvoir en boîte. Que ce soit sur cette map ou une autre, je vous conseille une arme spéciale et une arme sur le mur. Comme ça, vous pourrez avoir des munitions en illimité si vous avez les points nécessaires pour récupérer des munitions de votre arme. Ça tombe très bien, j'ai la VMP qui se trouve sur la droite de la map où je vous montrerai tout à l'heure. Cette fois, j'ai réussi à avoir un autre pouvoir en boîte qui me permettra d'avoir la Wonder améliorée directement dans la caisse. Une fois la Wonder en main, il nous faudra balle bonus pour mettre un effet sur votre arme. Je vous conseille câble HS, au fourneau et infection. Les autres, je vous les conseille pas. Donc, c'est à vous de voir. Une fois les armes souhaitées dans vos mains, rendez-vous directement à la strat. N'oubliez pas de ne pas dépasser ce trait qui vous permettra d'avoir les zombies que à cette fenêtre. Je vous laisse avec une petite musique pour la fin du gameplay et je vous dis à tout de suite.
Et voilà, la vidéo est terminée les potos. N'hésitez pas de commenter si cela vous l'avez déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand vous regardez la vidéo. Tchuss les gars.